Salut tout le monde, bienvenue sur les chaînes de Fire, j'espère que vous allez bien. Nous continuons la partie full produit sur l'année 1925 actuellement. Alors ça lag un peu beaucoup parce qu'on vient juste de charger la partie, c'est une nouvelle journée qui s'annonce. On augmente à fond, on est en décembre. Alors qu'est-ce qui va se débloquer pour la nouvelle année? Des ballons de football, des pianos. On peut désormais exporter les pianos. Ah, il y a du sucre. Oh, non, j'avais besoin de cet acier. J'en avais besoin de cet acier, par contre. J'en avais besoin pour... Ah, oh, j'en avais besoin pour les guitares et les batteries. Alors, faut que je trouve un moyen d'apporter de l'acier maintenant. L'acier, de l'acier, de l'acier, de l'acier. L'acier, on a ici. Acier. Alors le port est juste ici. C'est énormément le bordel. Alors, acier non. Alors, faut que je fasse un train qui aille de là à là. Très bien. Normalement, deux aciéries. Sans problème. Ok, donc on va essayer de faire tout ça. Hop. Le jukebox est on. On va juste faire un train pour l'acier, je veux pas surcharger. Et... Alors, vu que ça c'est en place, on va aussi pouvoir faire... Et... Les pianos. Alors, boutique de musique, je ne sais pas si un piano. Oh, deux pianos. Nickel. Ok. On va faire un petit camion de plus, hein, qui va transporter des camions. Vu qu'on vient juste d'ouvrir, c'est parfait. Attendez, ça touche pas ici. Non. Ok. Donc, ça serait piano ici et dépôt là. J'avais construit un joli complexe, pas du tout compliqué surtout, très important. Alors l'avantage du port qui permet l'exportation de téléphones à manivelle, c'est que je serai au courant immédiatement quand ce sera périmé. Alors piano c'est bon, et ballon de football, j'avoue que je sais plus trop où je m'étais implanté. J'ai peut-être fait du sport. Je sais qu'il y a un endroit où j'ai fait du sport, c'est possible, faut juste que je retrouve. Ah là là, il y a tellement de choses. On a recouvert les cartes de plein de choses partout. Le sport, ça devait pas être sur le continent à l'ouest. Je ne pense pas Batman. Quoique, attends, il y a du cuir ici. Ah non, c'était pour le mobilier. On va penser autrement. Avec. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ah, les vélos. Eh ben si, c'était ici. Tout à fait. N'est-il pas? Alors, tout refuser, sauf le cuir. Hein. S'il n'y avait pas de boutique de sport, si j'en fais une. Ah, les ballons, ça se vend très très bien. Parce que même pour une toute petite ville comme ça, je peux arriver à larguer un ballon de temps en temps. Hey, that's pretty good.
sport ici. Alors, ballon. Ok. Et ici. Ballon. Ah oui, effectivement, ça va beaucoup mieux les ballons. Alors, on avait déplacé le complexe un peu plus loin. Et reconstruit une gare sur l'entrepôt qui pouvait enfin toucher. Pas magasin de sport ici. Incroyable. Je m'étais développé plus tard dessus. Alors ici, deux. Tac. Eh bien, changeons cela, les amis. Pas moyen que je repose ici. Alors, je peux... C'est très moche. Je peux... Merveilleux. Alors, je vais te face à un autre problème. Hein. Ah, mon dieu, quoi. Alors, on va plutôt faire comme ça pour éviter des bouchons. Parce que quand ça va vraiment être chargé... Ah non, ça a pas construit les rails. Fuck. Quand on va aller plus loin dans les parties, ça va devenir vraiment bordélique. Du coup, je prends de l'avance sur les gares. Allez, foot. Les ballons de fut. Vélo. Alors, tac. Et vélo, nous avons dit. Super. Ok, c'est good. Tranquille, tranquille. Il avait combien l'autre? Il avait plus de 500 camions. Ah, regarde-moi ça, quoi. Il y a que dans un jeu comme ça. Et pourtant, le jeu, il date, quoi. Le jeu, il date tellement fort, quoi. Alors, et si on se supplantait dans cette zone-là pour faire un peu d'agro que j'ai oublié ou pas fait du style... qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'on n'a pas fait dans l'agro? Alors, chercher du sable quartzeux, hélas, je n'en vois point. C'est bien de... Ah, il y en a ici. Ok. Eh bien, je propose de faire en fait des jus de fruits. Ok, alors faisons le verre, tac, et puis on va faire plein de jus de fruits. Bon, j'aurais pu mieux poser ça, mais bon. On fera avec. Tac. Ah, j'ai un vieux frisson là. Alors, un endroit où je vais pouvoir récolter plein de fruits. Donc ici, je vois qu'il y a plein de verres. Du bon verre. Hop, 42. Alors, une caisse pour le verre, une caisse pour les jus de fruits, et tout le reste en fruits. On va se développer en agroalimentaire sur l'autre continent, en plus de faire un produit que nous n'avons toujours pas fait, les jus de fruits. J'ai vraiment pas envie d'être au moment où les ressources vont s'épuiser. Je pense que c'est possible en vrai. Hein. C'est possible d'épuiser même avec des ressources très généreuses du mode facile. Hein. Je pense que ça se fait sans trop de problème en vrai. Ok, le verre c'est good. Essayer de positionner les usines d'agro un peu plus en bas à droite, collées à l'entrepôt.
2, ça devrait être overkill. Donc, on est bon. Ça, il y a deux centres-villes à Guanaco, en fait. Ah oui, 2-4-2-1 quand même. Voilà, c'est une épicerie posée en avance. Hein. Tiens, d'ailleurs, on va faire toutes les petits bonus dans cette ville. Parce qu'on est... On est les seuls à vouloir s'y implanter. Hein. En 26 ans, personne n'a voulu s'y mettre. Ah, on a débloqué plein de nouvelles choses. Le cirque, le rodéo... Le musée, tout ça, ça n'était pas avant. Salle de spectacle. Ah, ça coûte une blinde, la vache. Alors, tout refusé sauf agro. Ah oui, tout ça, ça n'existait pas du tout. En vrai, je pourrais le faire en camion si c'est juste jus de fruits. Hein. Vraiment en face. J'en fais genre les 4. Zouf. Alors, Clarksdale. Niveau jus de fruits. On va avoir des bonnes choses là quand même. On va se contenter d'une 6 voies visiblement. Et on va en camion, on peut le faire. Hein. C'est juste en face. Hop. On est sympa, on leur améliore même une petite parcelle de route en asphalte. On fait un x4. On refait exactement ce qu'on a fait. On limite l'entrepôt à un agro pour éviter des surplus. Alors le train. Ici c'est que de l'ameublement. Si je posais une épicerie, jus de fruits. Avec une grosse gare pour un futur proche et lointain. Alors non, je veux pas que ça passe de ce côté. Voilà. Il faut le jus de fruits. De toute façon, on était dans une économie assez stable. Les demandes s'enregistrent. Oh, Timine, ça me fait trop pitié. Est-ce que je peux au moins lui payer une cour de récré? Oui. Croissance urbaine lente. C'est une ville qui sera jamais intéressante, sauf que, sauf dans les années extrêmement lointaines. Alors, Clarksdale, c'est good. Covington. Wow.
On vérifie si le verre arrive. Parfait. Alors, un train de verre, je pense pas que ce soit assez. On va le cloner. Et si on s'implantait sur Burston? Alors, Burston, par contre, pour trouver un entrepôt qui va être disponible, ça va être extrêmement chiax. Vu qu'ils sont un peu implantés partout, ces petits salauds. Ah ah! Il y avait encore une place, j'ai su la trouver. J'ai su trouver la faille. Je vais dominer le monde avec ce jeu de freaks. Alors, jus de fruits, hop. Même maxé, ça se vend encore très très bien. Gonako, c'est good. On pourrait vendre. Elle a bien évolué cette ville. Hein. Croissance rapide, tu m'étonnes. En jus de fruits, ouais, c'est pas mal. Allez, on fait un investissement spéculatif. On achète parce qu'on pense que ça va augmenter. Alors, on avait dit 1. Par contre, c'est vrai que l'autre imbécile, là, il a posé ses fermes et pile pour m'emmerder. Je puisse pas améliorer l'ancienne voie ferrée. Ça, c'est très embêtant. On fait un check, hein. Le but, c'est toucher vraiment un maximum de villes. Après, ça va aller très très loin. Ah, mais il y a déjà des épiceries ici. Ah, mais ici, il y a vraiment beaucoup de produits. Et j'aimerais pas casser le bois. Ah, ici, c'est pas d'agro. Ah, du coup, il faudrait que la gare vienne ici. Oh là là. Ah, attends, on va faire un chemin. Pas qu'il bousille tous les arbres. Voilà. Juste un peu le guider, sinon le l'IA qui fait les chemins de fer est relativement intelligente, hein. C'est pas un truc que je dis tous les jours. Et c'est un jeu qui date de 2002, quoi. Non, mais honteux qu'il y ait des trucs qui soient aussi bien faits. Ou alors c'est honteux que ce soit aussi mal fait pour des produits, enfin des logiciels et des IA qui sont faits en 2022. J'ai trouvé beaucoup plus nul. Ouais, les réfrigérateurs, par contre, c'est violent. Acier, moteur électrique, plastique. Ensoleillement important, nous allons connaître des années ensoleillées, cela devrait avoir un effet positif sur l'agriculture. Des récoltes records devraient être enregistrées pour le blé, le coton, les cacahuètes et les fruits. Les récoltes devraient également être au-dessus de la moyenne pour tous les autres produits agricoles. La demande en équipement de sport d'été sera plus importante que le normal. La vente de boissons désaltérantes sont également prometteuses. Les prévisions concernant les vêtements d'hiver et d'imperméables ne sont quant à elles pas très bonnes. Oh, on vient juste d'installer les jus de fruits, ça tombe trop bien. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Alors par contre, ouais, les moteurs électriques, c'est assez chaud quand même. Hein. Parce qu'il va me falloir... Il faudrait du cuivre dans le coin. Pétrole, acier, il y a du cuivre ici. Alors problème, j'ai pas d'équipement ménager ici. Faudrait tout encore reconstruire. Cuivre, pétrole dans la zone sur l'ancien continent. Tu veux dire l'ancien monde, Fire? Tout à fait, mon cher ami. Le problème, c'est que ce côté-là, cuivre, acier, j'ai. Donc, pétrole. Ah, puis c'est un vieux système deal tout mousi du cul, là. 18500. Putain, faut tout prendre en fonction. C'est de l'eau, ça, ou c'est juste le terrain qui est... Ah, c'est du terrain libre, merveilleux. Bon, bah, je propose de tout pomper. Hein.
Hop, limité à 1. Plastique limité à 1. Alors, va falloir que j'amène de l'acier. De l'acier et du cuivre d'ici. 1. Parce que le plastique est déjà importé ici. Mais attends, mais j'ai déjà quoi faire en vrai. Ah bah ça me fait juste un deuxième spot. Ah mais si, on va faire ça, ouais. On va faire des moteurs électriques. Alors, de l'acier du coup, s'il vous plaît. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Moteur électrique. Tiens donc, ça prend pas du plastique. C'est les composants électroniques. Ah, c'est peut-être le réfrigérateur qui prend du plastique. Attendez, on va vérifier ça tout de suite. Tout à fait. Tout à fait. Ok, bon bah du coup on fait un complexe de plastique qui sera importé là-bas. Histoire de soulager la pompe à l'ouest, parce qu'on avait fait un mini complexe purement pour le plastique. Oh mon dieu, comment je me sens, limite comme un gros cochon de capitaliste à lâcher des phrases comme ça. Alors, tac. C'est bien, ce sera une voie unique en plus pour eux. Entièrement plastique. On devrait même le cloner, tiens. Non, c'est pas assez. Alors, en revanche, les villes qui sont desservies, qui vont arriver à vendre des réfrigérateurs, c'est pas... Ça se vend pas très bien. Parce que moi, si je les vends, je veux les vendre à prix d'or. Sinon, je veux pas les vendre. Ça m'intéresse pas. Alors, Fremont, c'est good. Alors, New Amsterdam, c'est la merde pour essayer de déposer quoi que ce soit. C'est compliqué. Alors, par contre, il y a une boutique. Ah, oh, ouais, ça se vend en plus. Oh, là, là. Alors, New Amsterdam. Ouais, ça se vend. Hein. Ouais, bon, ça vaut le coup de faire un train. Allez, ouf. C'est parti. Espérant pas congestionner le réseau. Mansfield. Il n'y a pas d'équipement ménager, Mansfield. Si incroyable que cela puisse paraître. Bon, on va remédier à ce problème tout de suite. Tiens, on va prendre un train full couvert. On va le faire aller tout là-bas. Parce que comme les réfrigérateurs, je pense pas que ça va bien se vendre. Donc, tant pis, ce sera en attente. Investissement spéculatif, les amis, comme d'habitude. Alors, Reading, ouais, Reading sympa. Reading central. Pas d'équipement ménager ici, non. Que cela puisse paraître. Non, ça c'est l'équipement ménager d'un adversaire. Oh, les réfrigérateurs se vendent très très bien. On va faire un effort du coup. Parce que notre adversaire vend des couverts. C'est pour ça que la vente était aussi faible. En revanche, les réfrigérateurs. Boy. Astoria. Astoria. Avec deux S, s'il vous plaît. Un équipement ménager, il me semble pas en avoir mis ici. Réfrigérateur, oui. Réfrigérateur, oui. Alors, problème, va falloir que j'arrive à relier tout ce bordel entre eux.
Astoria West, c'est relié par là, par contre Astoria East, c'est pas relié au réseau. Alors, comment faire ici? Tac. Ah bah, si on crée un nouveau produit, on essaie de desservir toutes les zones qui ont des boutiques. Au moins les zones proches. Si elles n'ont pas de boutique, on fait les boutiques pour. De toute façon, couvert, ça va se vendre très très mal parce que notre adversaire, El Famoso Willem, a décidé de nous casser les noix et d'en vendre. Donc on peut pas vraiment s'implanter. Ici, la ville est criblée de boutiques, d'entrepôts, laisse tomber. On est à autre. Je vois même pas le nom de la ville. C'est Chalice. C'est comme un chat, mais avec Lys à la fin. Seaside en vendait. La boutique d'équipement ménager a fait très plaisir sur les réfrigérateurs. Par contre, il y a un train, il y a une zone là. Je vais essayer de lui relier un réfrigérateur. C'est tout là-bas. Ok, bon, on va peut-être doubler la production de moteurs électriques et de. Et de réfrigérateurs en vrai, parce que j'ai fait énormément de points de vente et de trains. Donc va falloir assumer tout ça. Ah, si le plastique Keblo. Bridge Jardin. Après, je vais peut-être séparer la ligne d'approvisionnement de plastique de celle de la vente. Bon, on va faire ça. Sinon, il risque d'avoir des bouchons. Alors, tu ne vas plus à Reading Junction. Tu vas ici, toi, maintenant. C'est lequel que je viens de régler? 64. Alors, 65. On va faire la même chose. Voilà. On évite une éventuelle pénurie. Et on avait quoi? On avait réfrigérateur, moteur électrique. Ah non, mais c'est les deux qui vont en même temps, d'accord. Moteur électrique, on en aura besoin pour les lave-linges et tout. Il y a plein de choses qui sont débloquées après. Les trains friction, l'acier fin, les aliments pour bébé. Aluminium à échanger vert. Oh non, ah ça c'est vraiment pas cool parce que le vert j'en avais besoin pour. Ah non, c'est du plastique. Oh, je confonds avec quoi? Friction, oui d'accord. Aluminium à échanger plastique. Pas besoin de plastique ici, je m'en servais pas. Non, bon bah tant mieux. Alors. Moi j'avais vu ma petite zone de production de couverts. On va faire un complexe. L'industrie du jouet qui fait des trains à friction. Vu que c'est exactement le même produit, profitons-en. Je vais privatiser à fond les mines au cas où il y a une IA qui décide de s'implanter à côté de moi. Joue vicieux, hein, mais après tout, l'IA joue pas très correct non plus. C'est bien, en plus on a déjà des boutiques de jouets dans le coin. Boutique de jouets. Excusez-moi, j'ai un vieux chat dans la gorge, c'est terrible. Train friction. Ah
moi je vais m'implanter partout. Je suis un véritable parasite. Et la ville est en train de déborder sur l'est. Alors qu'on s'était plus implanté de ce côté exprès. Ça se vend pas des masses ici. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? 1-6. C'est déjà bien blindé ici. Non. J'ai peur que ça devienne vite ingérable. On va s'implanter qu'il y a des endroits cool, d'accord. 6. Astoria, ouais, je sais que c'est pas un truc. C'est pas une gare qui est très populaire. Elle est assez récente. Colville. J'avais fait spécifiquement pour la musique. C'est un bordel, il y a des noms partout. C'est très très loin. Allez, on lance comme ça. Véhicule tombé en panne. Ah. Le 34. C'était quoi le chemin du 34? On peut pas savoir. Putain, il transportait aussi. Bon, on va le 34. Ah, ils peuvent pas classer par numéro, bon sang. Ah, c'est classé par âge. Comment classer par numéro? C'est pas classé par numéro. 34. 35. Voilà, ça devient vite très très dur de lire tout ça. 30. Ah, j'ai dû passer dessus, je trouve une patate. 34. Non, le 34 n'existe plus. Bon, on va juste faire un clonage comme des imbéciles. Pourquoi il est tombé en panne? Il n'y a pas de station de réparation sur les deux, non? Et non? Oh! On a perdu des points de luxe, quoi. C'est les usines de proximité des villes, ça. C'est obligé. C'est ça qui me flingue mes points, en fait. Usine. Ouais, mais mes usines, moi. Attends, t'es drôle. Hein. Alors, j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on peut plus produire? Fil de cuivre qui peine? Attends, comment est-ce qu'on reçoit où les fils de cuivre? Ah, c'est le porc qui les amène. Ah, les aliments infantiles, on n'a pas fait aussi. Vraiment la place, hein, sans problème. Parfait, ça a pas bugué. C'est étrange, hein, des fois ça marche pas. Je vois même pas mes épiceries là-dedans. Là. Attends, ça touche qu'une épicerie, ça? J'avais qu'une seule. Non, il y en a une ici. Voilà. Je me disais, j'étais persuadé que j'en avais deux, quoi. Ok, ouais, j'avais même refait une. Du bétail. Enfin, un entrepôt juste pour le. 4-4-4. Tiens, on va faire 16. Et toi, on va faire 15 et 1. Juste pour pallier la demande de lait. Parce que aliment infantile plus beignet, je pense que ça va vite partir en vrai. Les jardins. Ah, c'est ça que je voulais faire aussi.
Les pains boulangers. J'ai dit que je ferais que j'ai absolument pas fait. Oh, la demande est oufissime par contre. Oh, les téléviseurs noir et blanc. Oh, oh non, c'est ultra chiant à faire les téléviseurs de base. De base, c'est très très chiant. Tondeuse manuelle, ça par contre. Ça y a moyen. Parce que j'ai déjà de l'acier. Alors ouais, on va juste venir se supplanter. En plus, c'est du bois coupé à l'aise. 6,7. Alors, quincaillerie, tondeuse manuelle. Ah, en plus, vu que c'est... on a l'événement de... Il n'y a qu'une seule boutique de quincaillerie ici. Ah non, elle est cachée derrière des arbres. Vu que c'est l'été, eh bien, il y a... il y a le bonus d'ensoleillement. Donc, c'est pour ça que ça se vend très bien, les tondeuses manuelles. Parce que plus il fait beau, plus il faut tondre. Donc, quincaillerie. C'est considéré comme de l'été. Alors, quincaillerie, quincaillerie. Il faut arriver à tout retrouver dans ce bordel. Oh mon dieu, la quantité demandée, quoi. Quincaillerie ici. Ouais, là, c'est... Là, ça pique. Est-ce que ça touche les deux? Non, ça touche pas les deux, c'est pour ça que j'avais refait. C'est juste pour le sport. Ok, tondeuse manuelle c'est fait. Alors par contre les téléviseurs... Crise pétrolière. La production pétrolière diminue dangereusement. La hausse du prix du pétrole brut qui en résulte va provoquer une forte hausse des frais de transport. Le charbon et le bois ne sont pas du tout touchés par la hausse des prix. Les prix du pétrole ne devraient revenir à normal que dans 5 ans environ. Super! Mais c'est génial! Si on faisait la chasse de toutes les usines qui sont dans les villes? Genre ça. Je vais essayer de les déplacer. Ah mais tout le principe c'était qu'il devait demander des ailles dans cet entrepôt. Ah, ah. Ah oui. D'accord, je vois le problème. Alors, switchons le problème. Ici, je veux que ce soit bloqué à 1 et tissu, non. Et toi, tissu, oui. On va déplacer les vêtements d'été. Ah, ou alors, ici, on met vêtements d'été. Toi, on te casse. Et on met tissu juste là. Ici, ils font pas de... Ah si, il y a quand même de la récolte de tissu. Ok, je comprends pas. Très bien. Faisons ça, voilà. On va faire la chasse à toutes les usines qui bloquent. Ah, la ferme aussi, les fermes de coton. Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué à modifier, par contre, parce que le coton, c'est des places assez prisées et limitées sur la carte. Coton 12... 45, ici un joli petit pâté de coton. Alors, c'est du marais. Ça dépend vraiment du terrain. 23, plus sévère, c'est pas forcément mieux avec le coton. Ici c'est bien par contre. On va se poser immédiatement. Vu qu'on a fait, on a pu faire de la place. Grâce à la destruction. Ah, on a les chemins. Enfin, les voies ferrées électriques. On n'a pas encore les. Ah,
ici ce sera exclusivement pour le coton. On n'a pas encore les trains électriques, mais ça devrait venir dans l'année. Tiens d'ailleurs, toi je veux pas que tu reçoives ou donnes de ces deux fermes, parce que ces fermes, on va les garder pour les... Ah zut! Pour les peluches! Voilà, c'était ça le... Alors du coup, on va essayer de privatiser le coton d'un côté. Parce que le coton se fait dévaster la tronche. Du coup, je propose de faire... Attends, j'ai fait un x5. Du coup, si on fait un x3, pour apporter juste du coton ici. Histoire de séparer un peu ce bordel. Ah, on a les trains électriques qui viennent de se débloquer juste après que j'ai fait ça. Sérieusement, quoi. Coton, faut envoyer du lourd, par contre. On va essayer de diviser. Je veux pas que tu reçoives de lui. Et je veux pas que tu reçoives de lui. Comme ça, ça fait 4. C'est super. 4 et 3. C'est très bien. Graines, c'est en juin. Oh non, on a dépassé d'un mois. Bon, tant pis. Juste vérifier que ça fonctionne. Et puis, dès qu'on a des nouveaux produits, bah, on se lancera dedans. On répare ferme en honorable pour ah, les routes d'asphalte qui commencent à se faire partout en ville, ça y est, les villes se modernisent. On arrive en 1930. Alors, de chez moi, qu'est-ce qui provoque du négatif sur le point de luxe? Que j'aimerais quand même. Usine moins 6. C'est pas chez moi. C'est chez l'adversaire. Il faut arriver à. Alors ça c'est nouveau. Tiens, genre Astoria, je suis sûr. J'ai dû mal poser un endroit. Ah non, je m'étais bien démerdé pour faire très très loin. Ah, par contre, les boutiques de vêtements... Bah, Seaside, c'est sûr que ça touche. Ah, ça fait chier. Oh, même la Syrie. Oh là là! Bon bah, on va décaler tout ce beau monde. Tenons nos promesses de gentils entrepreneurs. Bon, ici, il reste que 400 bois, bah les couilles, hein, de toute façon, point de luxe. Voilà. Arrête, téléphone à manivelle, on va falloir les restocker par contre. Est-ce que les fuites de cuivre... Enfin, les restocker, les relocaliser, voilà, c'est ça le terme que j'aurais dû utiliser. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Je ne sais pas, Batman. Est-ce que planche fil de cuivre? Alors, on va mettre tout refusé, sauf... planche, fil de cuivre, téléphone à manivelle. Je veux vraiment que ce soit eux et c'est tout, quoi. Je peux pas faire une gare. C'est vraiment dommage, hein. Ça joue à pas grand chose en plus. Non. Bon bah ce sera camion. On va prendre de l'avance et faire un grand dépôt. Ah, il y a même des maisons qui se construisent ici, nom de Dieu, quoi. On va faire une barrière naturelle de route. Je veux pas que ça vienne se construire ici. Tac. Ça, pour ceux qui ont joué à Transport Tycoon, ils doivent connaître cette technique d'emmurer avec des voies ferrées des routes pour empêcher une ville de mal se développer. On va faire un x5 parce que ça va pas mal y aller. Alors, téléphone à manivelle. Ce prix ici. Non, pas le petit complexe, parce que ça va très vite se boucher. Et au retour, je veux qu'ils me prennent de l'acier.
Non. C'est fil de cuivre et planche en bois. Alors, je veux qu'ils me prennent des fils de cuivre. Voilà, tout à fait. Et les planches, en vrai, on peut les faire ici, tant pis. On va faire ça. Faire ça localement. Oh, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi rougir. Hein. Sinon, on va importer du bois. Hein. On va importer. On va importer, ouais. Parce que je ne vois pas d'autre solution, malheureusement. C'est triste d'en arriver là, mais bon, j'ai pas d'autre solution pour maintenir les téléphones à manivelle sans détruire toute la Tessie. Ok, bon bah du coup c'est pas moi qui fais le négatif ici. Non, ici je m'étais bien développé. J'arrive plus à retrouver mon complexe de vêtements d'hiver. Il est là. Non, c'est bon, ça, pas de négatif. Incroyable. Alors ici, j'avais déjà déplacé une fois. Pas de négatif, parfait. Pas de négatif. Ou alors là, par contre. Alors, ça commence à être borderline. Et puis, bah, je pense qu'en vrai, c'est bon. Pour le moment. Usine monde. C'est pas chez moi. Ok. Donc on a fait un petit check-up. Du coup, le point de luxe, pièces de jeu, des jeux de société. Tondeuse manuelle. Moteur électrique à échanger à CF1. Exporter téléviseur. Ça tombe bien, j'en achetais pas de. Attends, mais il y a de quoi faire des téléviseurs avec tout ce qu'ils ont donné là, non? Attendez. Téléviseur, c'est planche, composant. Ah, c'est composant électronique. Et du coup, il manque le plastique. Mais c'est pas ici qu'on exporte les télés. Parce que je pourrais greffer les télés ici en vrai, hein. C'est pas. Alors pourquoi j'ai perdu des points de luxe? Usine à proximité des villes, moins 47. Peut-être que c'est divisé par 12, hein, vu que c'est annuel. Croissance des bénéfices, croissance du chiffre d'affaires. Ouais, bon, après. Ouais. Après ça, je peux pas faire mieux en mieux chaque année. Bonne situation économique, on prévoit un bon développement économique au cours des prochaines années. La demande devrait augmenter plus que la moyenne de tous les biens de consommation. Bon, bah, le voilà, la voilà, la croissance économique. Du coup, si ça accepte. Attends, qu'est-ce qu'ils achètent? Tondeuse manuelle. Les brouettes. Tondeuse manuelle, il faudrait que je ramène du bois. Attends, mais en vrai, moteur électrique, ça défonce, c'est grave chiant à faire. En plus, ça coûte que dalle à acheter, quoi. Moteur électrique. Ouais, moteur électrique, c'est que des réfrigérateurs. Hein. Là est le problème, monsieur. Verre, acier, fil de cuivre. Verre, acier, fil de cuivre. Verre. Composant électronique. Ah, du coup, il me manquerait le plastique ici. Alors, faut trouver du pétrole, les gens. Il y en a ici. Privatise tout, hein. Aucun remords, hein. Et on va apporter du plastique là-bas pour faire des téléviseurs. Parce que avec le verre et l'acier,
Ah mais non, je suis con. C'est pas l'acier, c'est les fils de cuivre qui m'intéressent. Suis-je bête? Ah, c'est dommage, j'aurais pu réutiliser la gare. Oh non, 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 non. L'approvisionnement, on va éviter. Alors. Fil de cuivre vert. Pas de quoi faire une gare qui touche ici. C'est vraiment... Ah, si, y a moyen. Si, si, y a moyen. Oh, on a accès aux aéroports. Tip top la carotte, ça, par contre. Ce que moi, je propose... de faire 4 trains qui vont faire... Alors, pas que je me plante, hein. Vers fil de cuivre. On va d'abord poser et confirmer. Hein. On va faire une boulette qu'on va amèrement regretter. Parce que du coup, un fil de cuivre, un verre. Donc moitié-moitié. Cuivre, cuivre et verre. C'est ça. Par contre, si ça switch, je suis vraiment dans le caca. On va tout remanipuler et vert. Il va falloir importer du bois aussi. Enfin des planches plus précisément. Je vais taper que les planches, vous que du bois coupé. C'est le système D, mais ça passe. On n'aura pas besoin de transport comme ça, donc pas de panne, pas ce genre d'histoire. D'ailleurs, en parlant de panne, est-ce que j'ai fait les réparations? Oui. Plastique, composant électronique, le verre qui arrivera. Alors toi, tu refuses tout sauf un pétrole. Un verre, un plastique, une planche en bois, un électronique. Non, ça c'est les music fire. Un électronique, j'ai dit. Voilà. Alors, une boutique d'électronique. C'est un peu violent. Une télé noir et blanc. Sans écraser, c'est dur, hein. Ce sont les années 30, c'est le temps des cathédrales. Alors. Si c'est pas des voies électrifiées en plus. Alors, je vais essayer de conserver le bois. Car le bois, c'est merveilleux. Hop. On va partir sur systématiquement des trains qui sont électriques, hein, maintenant. Parce qu'on va commencer à moderniser tout ce beau monde. Allez, ici, magasin d'électronique devrait pouvoir se faire plaisir. Juste un. Oh, là, il y a un bins. Là, il y a un gros bins sur l'équipement ménager. Ça, ça n'a pas été réglé, mon cher Fire.
Ça, c'est un problème très grave, je dirais même. Hein. Extrêmement grave. Alors, tac. Ne construis pas un endroit plus embêtant, s'il te plaît. Tac. C'est bien, ça a séparé l'électrique avec des anciens modèles. Hein, donc, c'est plutôt une bonne chose en soi. Alors, on va laisser une place pour l'électronique dans les entrepôts aussi. Très important. Est-ce que je l'ai fait pour celui-là? Non, je l'ai pas fait. C'est peut-être celui-là que j'ai fait. Non, non, j'ai complètement zappé. Je suis un sombre enfoiré. C'est une petite ville, ça m'étonnerait que j'arrive en... Oh, oh bah non, un, c'est bon, ça passe. Surprise extrêmement agréable. Puis c'est bien, c'est déjà électrifié en plus. Ah, peut-être que j'arrive à en refourguer un par mois parce qu'on est en bonne situation économique. Hé. Hé hé hé. Est-ce que ça... C'est le contexte économique actuel. Oh, bon, bon ici. Hein. Très très bon même. Maxer les prix. Hop. On va garder une petite place pour l'électronique. Et on va faire une gare d'ailleurs ici. Parce que c'est pas fait ça. Parce que justement, je m'étais dit, tiens, pour le jus de fruits, let's go quoi. Pour les prix ici, on les booste d'avance, parce que je vois bien ça augmenter. Ça par contre c'est pas augmenté, enfin il n'y a pas de vente de base, donc on va faire un train de là à là. Hop. Ah, c'est pas des voies électrifiées, c'est pour ça que ça buguait. Voilà. Je me disais, tiens, le jeu a craché. Alors, Guanaco, votre siège social a été modernisé. On va vérifier si il reçoit cette télé. Putain, si la chaîne déjà roule, voilà. Déjà, si ça se remplit. Mobile de bureau, des instruments en bois. Ouais, trop de choses en vrai. Alors, pourquoi ça Keblo? J'ai oublié de changer. Fil de cuivre. Non, j'ai oublié de mettre un fil de cuivre, c'est pour ça que ça Keblo. Tac. Et 117 et 116. Non, il n'y a pas de. Ah, mais si, c'est le jus de fruits. Ah, alors on va faire une deuxième double gare. Parce que je m'attendais pas à desservir autant de gens. Et on va déplacer les trains qui font cuivre et vert sur la gare de gauche. Parce qu'en vrai, je risque de créer un bouchon. S'il y a trop de trains qui attendent leur télé. Alors le premier c'est fait. Le 110. C'est fait. Alors, il me semblait en avoir fait 4. Ah, tout à fait, donc c'est méga chiant parce qu'il faut tout refaire en 4 fois. Et du coup, le 112, même problème. Problème qui est maintenant résolu. Donc ça leur fait faire un peu plus de chemin. Tiens, d'ailleurs, c'est pas des voies électrifiées aussi, donc ils ont pas le choix. Ok, oh la vache, ça lag. Alors, mobilier de bureau, ouais, on verra ça plus tard parce que là, ça rame à mort. Au secours. Au secours. Et patin, roulette, acier, cuir, téléphone. Ah, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Ah, bah écoutez, moi je vous propose, on fait une petite pause ici. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la chaîne FR. Je vous dis ciao à la prochaine.